Coucou les cow-boys! Comment ça va aujourd'hui? Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui? Fred Pertuis City, effectivement le parc d'attractions thématisé cow-boy. Et d'ailleurs, vous êtes transformé en cow-boy. Waouh, toute la panoplie. Eh, doucement, t'as rien fait nous hein. Et qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire maintenant? C'est vrai? Vous allez réellement chercher de l'or? Ici. Et vous pensez vraiment trouver de l'or ici? Oui, ici. Bon, quand même. Allez. Effectivement, il y a une chute d'eau. Effectivement, il y a une petite arrivée d'eau ici. Mais quand même, de là à trouver de l'or, je demande à voir quand même. Hein. Alors, c'est parti pour la recherche de l'or. Comment il faut faire alors? Alors là en fait c'est du sable, c'est ça? Tu tamises et dans le sable tu espères trouver autre chose que du sable. Ouais c'est ça. C'est l'idée. C'est l'idée. Tu espères trouver quoi? De l'or. Vraiment? Vous êtes super confiant il me semble. Hein. Optimiste et confiant. Bibite. T'as trouvé quelque chose? Ouais, de l'or. C'est bon? Une vraie pépite. Une vraie pépite d'or. Eh, hey, génial. Ça gêne et toi? Ça y est. Ouais. C'est le début de la fortune. Tu as trouvé de l'or. Ouais. T'es content? La recherche de l'or se poursuit. Et toi, Swan, tu trouves quelque chose? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est quoi, petit cœur? Fais voir. Ah non, ça c'est un caillou. Petit bout de chou. Ça c'est un caillou mon cœur. Il faut continuer ta recherche petit cœur. Alors, est-ce que ça donne quelque chose? Swan, toujours rien. Néo, une pépite pour l'instant. T'as trouvé? Ce n'est pas une. Ah non, c'est un caillou. En plus, un caillou jaune, tu sais. On y a cru, là. Hein. Ah, ça brille du côté de Néo. Ouais. Et encore une pépite pour Néo. Waouh, bravo le grand, ouais. Super. Allez, déjà deux pépites, c'est bien. Encore une? Va. Elle est où? Elle est là. Waouh, bravo. Eh ben dis donc, hein. Il y a vraiment de l'or. Bravo. Voilà, le t-shirt cherche de l'or aussi. Tu veux de l'aide? C'est dur. C'est dur pour un petit chercheur d'or comme Swan. Allez, on continue. On cherche des pépites. Ah, une pépite! T'as trouvé? Une pépite. Oh là là! Ça y est! Fini! Waouh, super! Super! Bravo! Eh, ça y est, vous êtes de vrais chercheurs d'or. Allez, cherchez-moi d'or, juste ok comme ça. Allez. Dis donc. Regarde Swan, on est menacé. Il faut qu'on trouve de l'or, absolument. Regarde mon ami Swan. Wow, de l'or. Regarde. Et voilà, encore une pépite. Super. Yeah.
Et où est ton tamis, toi? Comment tu veux trouver de l'or si t'as déjà plus ton tamis? Sacré coquin. Alors Néo, encore une? Waouh, c'est bien mon grand, super. T'en as une? Waouh, c'est bien mon cœur. Bravo. Ça y est, tu sais faire, tu vois? T'en es une? Non. Non, c'est un caillou. Une pépite. Non, ça c'est un caillou. Ah. Non, c'était un... C'était une pépite. C'était une pépite, elle est retombée. Il y en a une là, non? C'est une pépite ou c'est un caillou? C'est un caillou. Ouais, c'est un caillou, dommage. Ah, une pépite. Ah, ça c'est une pépite. Elle est grosse, elle aussi. Ah, super. Belle pépite. Et voilà, belle pépite. Wow, c'est pas mal, dis donc. Ben voilà, c'est le début de la fortune. Formidable. Il y a répartition du butin entre les deux frères. Chacun sa part. C'est bon les chercheurs d'or? Alors maintenant, il faut mettre les pépites dans la machine qui est là. Allez, Swan, tu mets tes pépites, vas-y. Ça va se transformer, regarde. Qu'est-ce que c'est alors? C'est une médaille. Waouh! Wow. Tes pépites se sont transformées en médaille. Waouh! Bon bah au moins il est content. Waouh! T'es content? Oui. T'as une super médaille de chercheur d'or. Ça représente le parc de Frépertuis City. Et là, ça représente les deux personnages clés, les deux mascottes. Allez Néo, c'est ton tour. Ah, Néo, pareil. Il met ses pépites d'or dans la machine magique. Et il faut tourner. Allez, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et voilà. Toi aussi, t'as ta médaille. Ça y est, t'es paré? Ça va très bien avec le hamburger. C'est parfait. Nos chercheurs d'or rencontrent des grandes abonnées. Et nouvelle photo. Vous êtes contents d'avoir trouvé tout cet or? Ça vous a plu? C'est marrant à faire, hein? Alors qu'est-ce que vous allez faire de vos médailles d'or maintenant? On va les vendre, ça coûte très cher. Vous allez les vendre? Ouais. Et qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent obtenu? On va faire du shopping. Ah, je vois, je vois. Donc maintenant on va faire du shopping alors. Ok, allez c'est parti, shopping à Frépertuis City. Allez c'est parti pour le shopping. Bon, on en a déjà fait un petit peu du shopping, hein. Là on complète. On complète. Qu'est-ce que t'as vu? Encore des pistolets? Il y a des attrape-rêves géants. Dis donc. Encore une arme? Elle est dorée. Waouh, la belle épée. Tchouing. Attends, on va faire un combat à l'épée. Combat à l'épée? Ah, ça c'est pour moi? D'accord, merci. String, 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 string. Qui est-ce qui gagne, hein? Attention. Tu m'as fait une partie. Attention. Je vais te battre. C'est bon, j'ai gagné. Ah, tu m'as eu en traître. Oh. J'ai gagné. Tu m'as vu presque. T'as vu celui-là? Oui. Quand il est un petit peu contrarié. Boing. Hyper un oeil. C'est pareil pour lui. Bah oui, pareil. Attends, regarde. Waouh, Berk. Hey, des gommes. Emoji, excellent. Moi, je veux celle-là. Avec les cœurs à paillettes.
Oh, le pauvre. Eh, Néo, regarde, il y a le tien. Il est là, ton emoji préféré. Ah ouais, il est là. Ça, c'est excellent aussi. Hein. Ce sont des glosses en forme de glace. Eh, regardez. Bon, ça, c'est plus pour les filles. Hein. Ce sont des petits porte-monnaie chaussettes. C'est pas trop mignon? Regarde. Avec des chaussettes de bébé. Oh, c'est excellent. Oh, je trouve ça trop mignon, moi. Combat de dinosaures. Tu m'as fait mal, mon pauvre dino. Peut-être qu'on peut devenir amis maintenant, non? Il a pas l'air d'être d'accord, le tien. Ah, mais tu me manges la tête. Attends, je vais te manger pour de vrai, moi. Moi, j'ai un objet plus puissant. Mais attends, moi j'avais un pauvre petit dinosaure. Toi, tu me sors une immense épée. Oh non, bah voilà, mon dinosaure. On peut écrire avec un doigt supplémentaire. Oui, oui, c'est un stylo. Un stylo doigt. Non, hein. T'as vu quoi? Ça. Des pirates. Je rêve. Tout un ce dont je rêve. Hein. Un super méga pistolet. Oui. Une super méga épée. Super épée, super pistolet. Il y a aussi un crochet de pirate et puis une médaille là, comme dans Pirates des Caraïbes. La médaille du trésor, hein, la pièce manquante. Alors là, on est de nouveau chez les pirates. Il y a des trucs incroyables pour Halloween. Hein. Waouh. Oh, ah. Ça. Elle est beau, hein? Elle est pas excellente, ces lunettes de soleil. Maman, ouais, il te plaît, sympa. Il te plaît. Ah bah voilà, ça c'est pour les mamans, parfait. T'as raison, il est très beau celui-là, magnifique. Avant de reprendre la route pour le retour, Swan se régale avec une super glace au chocolat, le nez aussi, tout se régale. Ça va, c'est bon? Oui. Oui, petit gourmand. Et du côté du grand cow-boy, on a quoi? La framboise et le plus petit chewing-gum au monde. Alors, petit tube de chewing-gum, t'as ça aussi? Ouais. Des pépites de chewing-gum, hein. Voilà. C'est comme les pépites d'or de tout à l'heure, mais cette fois en chewing-gum. Et c'est quoi ça? Le plus petit chewing-gum au monde. Il est écrit en anglais « World's longest bubblegum », c'est-à-dire le plus long chewing-gum du monde. Et effectivement, il est un petit peu long, un tout petit peu. Voilà, il s'arrête là. Voilà. On va voir ce que ça donne une fois qu'on va l'ouvrir. Ah ouais, là. Allez, c'est la surprise. La journée à Frépertuis City est terminée. Nous voici maintenant dans la voiture, c'est le retour. Et c'est quoi tout ça alors? Eh bien ça c'est tout ce qu'on a acheté. C'est le hall du shopping des chercheurs d'or. J'ai de l'or. Vous voulez montrer un petit peu vos trouvailles? Ouais. Qu'est-ce que tu as acheté toi? Alors déjà un chapeau de cow-boy, ça c'est sûr. J'ai ma petite médaille aussi. Ah oui, ça c'est la médaille spéciale chercheur d'or. Ça c'est l'achat de Swan. Swan, t'as choisi ça toi? Oui. D'accord, un fusil donc. Très bien. Swan aussi un chapeau de cow-boy évidemment. J'ai choisi aussi ce petit pistolet. Oh, celui-là il est joli. Enfin, je le trouve plus joli que l'autre, moi, choisir. Oui. Dis donc, tu veux qu'on se batte? Attention. Il est plus fort, les miens. Ouais, c'est ça, tu vas voir. Et ça, c'est une carte au trésor avec une boussole. Waouh, excellent. Alors ça, c'était au rayon pirate, on va dire. Parce qu'effectivement, il y avait pour les cow-boys et pour les pirates. Et là, on a trouvé une super carte avec un compas comme Jack Sparrow. Ça va être sympa, ça, pour faire une vraie chasse au trésor. Ouais. Waouh. Là, j'ai un pistolet à pétard. Vous avez fait le plein de pistolets, j'ai l'impression. Hein. Ouais, il est beau, dis donc. Il est grand celui-là. Voilà de plus près le super pistolet de Néo. Oh, effectivement, hein, il est beau. Hein. Je l'ai sorti de son étui. Et donc, tu nous dis qu'il fonctionne avec des pétards, celui-là? Oui, c'est ça. Ah oui, tu peux lui mettre des pétards et après, il y a de la fumée qui sort. Comme ça. Ah oui, voilà. Et ça fait quoi avec les pétards, alors? Il y a de la fumée et ça fait pouf. D'accord. Et donc, bien sûr, on a pris les pétards avec. Voilà. Ça s'appelle des amorces. Ce sont des disques pour pistolets. J'ai pris aussi ce petit chewing-gum. Ah oui, ça, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, on l'avait pas ouvert. Hein. Non. Tu veux l'ouvrir? Ah ouais. Allez, on regarde ce qu'il y a dedans. Donc, normalement, le plus long chewing-gum du monde. Je te vois, Swan. Dis donc. Waouh. Attention. Waouh. Effectivement, c'est un immense chewing-gum. Super long.
Tu vas manger tout ça tout seul? Ouais. Oh, on partage quand même. Dis donc. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces fameux sacs? Il y a des animaux, mais très marrants. Des cochons, tigres, vaches et éléphants. Donc, qu'est-ce qui leur arrive à ces animaux alors? Et ça devient des ballons. Alors ça, je crois qu'il va falloir qu'on essaye hein. En vidéo, c'est ça? C'est ce que tu m'avais dit. Ah, les garçons veulent essayer ça dans une vidéo. On vous montrera le résultat, les copains et les copines. Aussi, là, j'ai un spray à eau. Ah oui, là, il faisait tellement chaud. Voir comment ça fonctionne. Et après? Ah oui, c'est manuel. C'est un vaporisateur, en fait. Alors, par rapport aux vaporisateurs qu'on achète dans le commerce, qui sont à usage unique, celui-ci, on pompe un petit peu et hop, on a un vaporisateur rechargeable. Donc voilà, c'est très pratique. Et bien sûr, ça se recharge avec de l'eau du robinet. Hein, donc, c'est pas compliqué. Et ça dure très longtemps. Ça, c'est un petit pistolet que Zone a choisi. Encore un pistolet? Mais dis ouais. Donc, vous avez dévalisé la boutique en pistolet, là. Oh, il est mignon, celui-là. Il est tout petit, effectivement. Oui, d'accord, c'est le tien. Et aussi, il y a des crânes de squelettes avec du slime dedans. Burk. Ça, c'est pour moi. C'est pour Swan aussi? Ah non, ça, c'est pour nous deux. Ah, vous n'êtes pas un peu en avance pour Halloween, là? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Il y a du slime bleu, du slime rose, du slime vert et du slime orange. Et là, on a des pépites d'or. Des vraies pépites d'or hein? Non. Comme celles que vous aviez cherchées, en fait, dans l'eau? Ouais. C'est ça? Oui, là, ce sont des petits sachets de pépites d'or. Et pour finir, un magnette. Ça, c'est pour notre collection. Les copains et les copines, vous vous souvenez qu'on fait une collection de magnettes? Et voilà, un de plus pour Fray Pertuis. Dans le deuxième sac, il y a les bonbons qu'on vous a déjà montré tout à l'heure. Et puis? Un t-shirt. Un t-shirt pour Swan. Alors, Néo, il n'était pas trop t-shirt Fray Pertuis. Lui, ça lui disait trop rien. Et Swan, il a bien aimé celui-là. Ça, je reconnais. C'est bain de boule. Ouais, t'as adoré le bain de boule. Du coup, tu l'auras sur le t-shirt maintenant. Voilà le t-shirt, c'est une représentation des attractions voilà, du parc, tout simplement. Certaines des attractions qu'on a faites. Et en bas du t-shirt, il y a effectivement les bains de boule, voilà, qui n'ont tant plus à Swan. Et ça, c'est quoi, petit cow-boy? Un sabre. Waouh, on l'a pas vu celui-là? C'est un sabre de pirate, il me semble. Le symbole des pirates, juste ici. Oh, il est beau, dis donc. Et là, je suis pas un vrai cow-boy. Hein. Pourquoi? Là, je suis un cow-boy mélangé avec un pirate. Bah oui, c'est ça, tu vois. T'es mélangé. Bon, c'est sympa aussi. Comme ça, il y a plus de choses possibles. Alors, les garçons, vous êtes contents de votre shopping? Oui. Alors, est-ce que vous avez aimé Fray Pertuis? Oh, c'est vraiment un parc. Génial. Et c'est super. T'as aimé Swan aussi? Oui. Ça y est, elle brille. Qu'est-ce qui brille? Ta médaille? Oui, on est brillé comme un trésor d'un pirate abandonné. Ça y est, il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu Vaiana. Hein. Quelle est la surprise qui vous a le plus plu alors dans ce que vous avez ramené? Moi, je pense que c'est le plus grand chewing-gum. Et toi, Swan, qu'est-ce que tu préfères? C'est le sabre. Waouh, le sabre de pirate. Les copains et les copines, quelle est la surprise que vous préférez? Dans les commentaires. Pensez au préféré et surtout, à bientôt. À bientôt, les copines. Bye. Cette vidéo, pensez à la partager. On fait plein de gros bisous. On vous adore. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye et plein de bisous. Attention, Swan.